prendre nos Bibles. Il y a des gens qui ne sont pas venus avec la Bible. Ça, c'est le propre des chrétiens catholiques. Ça ne m'étonne pas. Le chrétien catholique aime chapeler tout ce qu'il veut, mais n'aime pas la Bible. Gloire à Dieu. Ce matin, on va prier beaucoup. Je n'ai pas dit que je vais prier pour toi. Hein. J'ai dit qu'on va prier beaucoup. Tu vas comprendre pourquoi. On prend nos Bibles. Nahum, chapitre 1, verset 13. Pardon, qui peut venir lire ça pour moi là? On peut donner un micro à quelqu'un. Il y a une belle voix qui va venir lire. Nahum 1, 13. Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Je briserai maintenant son joug du dessus de toi. Je n'ai pas encore entendu. Faut doser. Il dit quoi? Je briserai. C'est Dieu qui parle. Et il s'adresse à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Il dit, je briserai maintenant. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après demain. Il dit, je briserai maintenant son joug. Le joug de qui? Il dit, son joug de dessus de toi. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à quelqu'un qui est là ce matin que tout ce qui est joug, qui pèse sur toi, quelle que soit la nature du joug, quelle que soit l'origine du joug, quel que soit le principe d'action du joug, ce joug-là sera brisé ce matin. Tu vois, ton amen ne m'encourage pas. Moi, je suis timide. Ton amen n'encourage pas les anges de Dieu. Et je romprai tes liens. Et je romprai tes liens. Merci. Dieu dit, c'est la parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Ça dit que Dieu parle sur ta vie. Il dit, je briserai maintenant. Je briserai maintenant, aujourd'hui, à l'instant même, son joug. Le jour du démon sur ta vie sera brisé maintenant. J'insiste dessus. Je briserai son joug de dessus de toi et je vais rompre tes liens. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la vérité de fait et la vérité de droit. Ça s'applique aussi pour les enfants de Dieu dans le monde spirituel. La vérité de droit, c'est ce que tu viens d'entendre. Dieu t'a dit. Il te dit que ce matin, aujourd'hui même, il va briser le joug de l'ennemi, de l'oppresseur. Des personnes malveillantes qui te veulent du mal. Il va briser leur joug sur ta vie. Et tout ce qu'ils ont créé comme lien dans ta vie, ils vont rompre cela ce matin. Oh, je sais une chose. Quand la parole de Dieu, elle est annoncée, automatiquement, des uns sont chargés de l'exécuter. Donc, ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, c'est déjà fait. Quand Dieu dit qu'il va briser, ça veut dire qu'il a déjà commencé à briser. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est comment arriver à matérialiser ce que Dieu a dit là dans leur vie. Parce que la vérité de fait, ce qu'on constate, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour beaucoup de personnes. Colossiens le chapitre 2, verset 14 dit que le document qui nous accusait, Jésus-Christ l'a effacé, c'est la vérité. Mais aujourd'hui encore, il y a des documents qui accusent beaucoup de chrétiens, qui condamnent beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Ça, c'est la vérité de fait. Dieu a parlé, c'est fait. Mais le constat, c'est autre chose. Mais ce que tu vis aujourd'hui, la situation que tu vis aujourd'hui, maintenant, les blocages que tu connais aujourd'hui, maintenant, ça ne dépend pas de Dieu.
Parce que Dieu t'a dit que lui, il va rompre. Et il a déjà rompu, il a déjà brisé le joug de l'ennemi qui pèse sur toi. Et il t'a dit qu'il a déjà rompu tes liens. Il y a des chrétiens, quand la parole de Dieu est libérée, ils disent, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que moi ça me concerne? Ce matin, on va prier beaucoup. On va prier beaucoup. Quand la parole de Dieu est prononcée sur ta vie, il faut l'entretenir. Il faut faire de cette parole-là ta parole. Parce que la vérité est que on ne peut jamais délivrer une personne qui ne veut pas être délivrée. Tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui ne veulent pas être délivrés. On ne peut jamais les délivrer. La preuve, une année à une retraite, les frères qui étaient là, les bergers, priaient pour la délivrance de plusieurs personnes de ces démons qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit. Et voici que ils arrivent sur une jeune soeur et ils détectent deux maris de nuit dans la vie de cette soeur. Parmi les deux maris de nuit, il y a un qui était vieux et puis il y a un qui était jeune. Et les frères, et quand ils ont commencé à prier, quand l'ordre est donné, comme ça sera donné ce matin, qu'on dit aux anges, allez chasser, allez libérer là. Eux, ils ne vont pas trier s'il est jeune, s'il est vieux. Est-ce que c'est un démon? Eux, ils liment. Donc, quand ils ont commandé, ordonné la délivrance de cette soeur-là, ils ont ordonné au mari de nuit de quitter la vie de la soeur, de libérer sa vie. Ils ont obéi automatiquement. La soeur, pape, à terre. La soeur se relève. Elle commence à se plaindre auprès des hommes de Dieu. Comment quelqu'un qu'on délivre là, la personne se lève et sa première réaction, c'est quoi? C'est la plainte. Elle se plaint auprès de ceux qui l'ont délivré. Vous savez pourquoi elle se plaignait? Elle a dit aux hommes de Dieu, elle dit, ils avaient l'ordre de chasser le vieux mari de nuit de sa vie, mais de laisser le jeune mari de nuit. Parce que le jeune mari de nuit, il est trop efficace. Authentique. C'était le berger Philippe Salomon. Vous voyez, donc c'est dit que cette soeur-là, elle est d'accord. Pour que il y a un genre de démon, ça dit que qui doit quitter et puis il y en a qui doivent rester. Et donc beaucoup de personnes ne veulent pas être délivrées. Est-ce que toi tu veux être délivré ce matin? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux sentir? Est-ce que tu veux expérimenter le joug qui est brisé sur ta vie? Ça dépend de toi. Il dit, je briserai son joug. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est vrai, il y a des difficultés. C'est vrai, il y a des blocages. C'est vrai, il y a des situations qui sont causées par nous-mêmes. Il y a des chômages qui sont causés par des chrétiens eux-mêmes. Parce qu'un chrétien qui ne se lève pas pour aller chercher travail, il faut jeûner, il faut prier, travail, ça ne va pas descendre. Donc des chrétiens n'aiment pas aller déposer dossier. Il y a des soeurs qui ne se marient pas parce que cela dépend d'elles-mêmes. Oh oh. Cela dépend de ses
Parce qu'il y a des conditions pour se marier. Une soeur qui veut se marier, il faut d'abord te faire belle pour que quand tu passes, nous on puisse regarder. Fais-toi belle, fais-toi chic. Ce que tu as de beau, de chic, tu portes cela. Il faut savoir agencer les choses avec ce que tu as. Il faut pouvoir te créer ton style pour flasher dans l'œil de celui que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Mais les soeurs pensent que quand on est chrétienne, on est gawa. Non, un chrétien n'est pas gawa. Regarde mon berger. Est-ce qu'il semble un gawa? Un chrétien n'est pas gawa. Non. C'est la vérité. On pense que quand on est chrétien, on doit porter les jupes qui balaient le sol. Non. Mais si ma soeur, tu as un potentiel potentiable, par exemple. Mais si tu portes des jupes qui balaient le sol, comment est-ce que celui que Dieu a envoyé, qui a levé ses mains vers les cieux, qui a donné ses critères à Dieu, comment est-ce qu'il pourra te détecter? Il y a des chrétiens qui sont bizarres. Il y a des femmes, dès qu'elles se marient, ou bien dès qu'elles ont eu le monsieur, c'est fini. Elles vont laisser les cheveux là. Le gars dit flancant. Tu me comprends? Elles ne vont plus s'entretenir parce que pour elles, elles ont déjà le trophée. Mais ton foyer sera menacé parce que dehors, il y a les... Tu connais. Donc pour dire qu'il y a des situations qui dépendent de nous. Mais il y a aussi des situations qui ne dépendent pas de toi. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'on dit. Tu te fais belle. Tu es vertueuse. Tu jeûnes, tu pries. Mais même dans ta vie, il n'y en a pas. Les hommes viennent. Et puis ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils viennent. Ça commence bien. Et puis vers la fin, là, il a disparu. Il y a des frères qui sont mariés. Mais ton foyer là, chaque jour tu dis, moi-même là, j'ai mal fait de vite me marier. Tu veux que l'homme de Dieu discerne encore pour ramener les choses en arrière, pour que tu sois célibataire pour avoir le temps de mieux choisir. Parce que ton foyer là, c'est vrai que foyer c'est le feu qui est en bas. Mais pour toi, le feu là même c'est trop. Tu as les gens qui déposent des dossiers, qui postulent. Mais rien. Des gens travaillent comme des esclaves. Aucune promotion, aucun avancement. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres. Des gens font tout. Mais l'enfant ne vient pas. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, je briserai son joug. Il a dit son joug. Il y a des personnes qui vivent la situation parce qu'il y a un joug qui a été envoyé sur leur vie par des personnes qui ne veulent pas les voir se marier, qui ne veulent pas les voir travailler, qui ne veulent pas les voir avoir un enfant, qui ne veulent pas les voir réussir dans tous leurs projets. Il y a des personnes qui ont un joug qui pèse sur leur vie parce qu'il y a des démons, du genre mari de nuit et femme de nuit, qui bloquent, qui empêchent le mariage dans ta vie. Tu n'entrais pas une relation. Ça commence bien, mais ça finit mal. Des gens travaillent, mais tout est bloqué, la promotion. Les gens avancent autour de toi. Des gens ont déposé des dossiers, ils ont postulé partout. Ils ont fait jeûne et prière. Mais la situation
est toujours la même. Frère, soeur, quand c'est un joug qui t'a été imposé par l'ennemi, il y a deux cas. Dis deux cas. Premier cas, c'est toi qui gères le dossier. Dis ça. Dis c'est moi qui gère le dossier. Deuxième cas, c'est toi qui gères le dossier encore. Dans les deux cas, tout dépend de toi. Frère, quand tu vis une situation qui t'a été imposée par un sorcier, par un démon, par une personne malveillante, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. C'est toi qui dois gérer ce dossier. Tu me comprends? C'est toi qui dois gérer ce dossier. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas exercer l'autorité. De la même façon que Dieu a parlé sur ta vie ce matin, de cette même façon aussi, les sorciers qui en veulent dans ta vie, les personnes qui œuvrent dans le secret pour voir tout être bloqué dans ta vie, ces personnes aussi prononcent des paroles sur ta vie. Est-ce que tu sais que le sorcier, quand il se lève le matin, il ordonne au soleil, il parle au soleil? Est-ce que tu le sais à cause de toi? Le sorcier peut se lever et il peut parler au soleil. Soleil, tant que tu vas continuer à briller, je ne veux pas que Ayakona Afoué puisse se marier. Il a donné l'ordre. Or, quand une parole est libérée, qu'un sorcier prononce une parole, puisqu'il est sponsorisé par des démons, automatiquement les démons se mettent en mouvement pour exécuter la parole qui a été prononcée sur ta vie. Et pendant ce temps, toi, tu passes ton temps à planifier. Hé, hey, berger là, je ne comprends pas. Il était aux États-Unis, je l'ai appelé. Berger Camille. Je l'ai appelé. Il m'a dit, il me rappelle. Il ne m'a pas rappelé. Après, je l'ai vu en Belgique. Je l'ai appelé encore. J'ai dit, berger. Daddy, et mon cas là. Il dit, ma fille, dès que je viens à Abidjan, on va gérer ça. Il est arrivé à Abidjan. J'appelle au secrétariat. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas encore reçu. Aujourd'hui, je suis venu ici. Dieu merci, il est là. Quand ça a fini en même temps là. Oh, ce matin, je veux t'apporter quelque chose, une clé qui va te faire du bien. Qu'un sorcier a parlé au soleil pour agir sur ta vie, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tant que tu vas marcher sous le soleil, tant que le soleil va te toucher, le décret du sorcier là s'exécute automatiquement. Tu me comprends? Oh, il parle à la lune. Des gens ont des maladies bizarres dans leur vie parce qu'un sorcier, un homme qui voulait détruire leur santé, a ordonné à la lune. Il parle à la lune. Est-ce que toi tu peux éviter le soleil? Et quand le sorcier parle, il est sûr de lui. Il parle à la terre. Et il parle à la terre. Il s'ordonne à la terre. Il commande à la terre d'avaler tes bénédictions. Quand il le commande, là, automatiquement la terre s'ouvre. Quand ton nom est prononcé, la terre avale. Il parle à l'air. Tant que tu vas respirer l'air, il prend un décret.
décrets sur ta vie, en s'appuyant sur l'air, en donnant des ordres à l'air. S'ils ont dit tant que Kofi guérit Jocelyne, va respirer l'air, que l'air qu'elle va respirer là, la paralyse. C'est les démons qui exécutent. Des démons destructeurs. Il parle au feu. Tant que tu vas manger quelque chose que le feu a préparé, le feu a cuit. Vous voyez comment ils sont méchants. Il parle à l'eau. Il commande à l'eau. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Toi aussi, tu dois parler. C'est quand tu parles que les anges vont se mettre en mouvement. Mais les chrétiens ne parlent pas. Quand ils ouvrent leur bouche, soit c'est pour pleurer, soit c'est pour se plaindre, soit c'est pour murmurer. Un sorcier s'en fout de tes murmures. Le sorcier a peur du chrétien qui prend au sérieux sa foi chrétienne, sa vie chrétienne. Le sorcier a peur du chrétien qui applique dans sa vie Luc 10, 19. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Parle fort, ils ne connaissent même pas. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents de la sorcellerie, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et puis quoi? Quand un chrétien vit une situation, Dieu attend de toi quelque chose, une attitude. Dieu a déjà parlé. Daniel avait été bien béni. Dieu a déjà parlé sur la vie de Daniel. L'ange venait pour accomplir ce que Dieu avait pour Daniel. Et la Bible dit que, arrivé à Perse, il y a un démon de Perse qui a bloqué les bénédictions de Daniel. Et c'est quand Daniel a commencé à exercer une attitude inspirée par Dieu, c'est alors qu'on dit, après 21 jours de jeûne, c'est que le démon de Perse avait bloqué et arrivé à Daniel. Mais est-ce que Dieu n'avait pas déjà envoyé la bénédiction? Mais pourquoi s'attarder? C'est parce que je suis en train de dire à quelqu'un ici qu'il y a des démons qui ont mandat de bloquer ta bénédiction, de bloquer ton mariage, de bloquer ton enfantement, de bloquer ton travail. Tu as affaire par exemple à un démon du genre mari de nuit, femme de nuit, on aura l'occasion de développer ça peut-être un autre jour. Mais tant que toi-même là tu n'as pas cette autorité, ou tant qu'on t'a pas fait SS, ça veut dire sors, tu ne pourras pas être délivré. Regarde en Afrique, en Côte d'Ivoire, ce qui domine le plus là, c'est les maris de nuit, femmes de nuit qui viennent des eaux. Je vais mettre un peu dans ta bouche. Et puis, on va voir. Je vais voir. Quand il va dire inscrivez-vous là, tu vas courir. Je briserai le joug qui pèse sur toi et je ferai réussir tes projets. Tant que le joug qui pèse sur ta vie là, que ce n'est pas brisé, aucun projet ne peut réussir. Tout n'est pas à faire l'imposition des mains. Regarde par exemple, on va prier. Quand tu as affaire à un mari de nuit, d'abord c'est dangereux pour toi. Une femme de nuit, c'est dangereux pour toi. Quand tu n'es pas un chrétien,
une chrétienne aguerrie avait dit. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire, la plupart de nos régions sont dominées, sont régies, gouvernées par les démons qui viennent des sphères des eaux. Oh, écoute-moi bien, frère. Quand tu as affaire à un démon qui vient des eaux, écoute-moi très bien. Touche l'oreille de ton voisin, dit écoute très bien. Touche l'oreille de ton voisin, dit écoute très bien. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre ce qu'on va dire. Dans ce que je dis là, j'ai parlé de sorciers primés, des hommes qui envoient. Mais cette fois-ci là, c'est le démon lui-même là qui vient dans ta vie, qui agit à cause d'un acte que tu as posé ou à cause d'un acte que tes parents ont posé. Mais quand tu as affaire à un démon qui vient des eaux, un mari de nuit, femme de nuit qui vient des eaux, écoute-moi très bien. Il y a les gens, par exemple, qui aiment faire l'amour. Quand ils vont à la plage, cette plage là qu'ils ont eu, c'est dans l'eau là, l'eau de mer, ou bien dans l'eau où ils sont allés à la plage là. C'est là-bas eux ils trouvent pour faire leur love. Quand tu as rapport sexuel dans une rivière, dans une eau, la mer, par exemple. Quand tu as rapport sexuel, quand il y a un démon, mari de nuit, qui vient, qui a été envoyé sur ta vie, dès que tu fais ça, automatiquement, il se met en mouvement dans ta vie. Des gens aiment se mettre nus au bord de l'eau. Quand il y a un mari de nuit ou une femme de nuit qui provient des eaux, quand tu te mets nu au bord de l'eau, automatiquement là, lui il vient sauter en même temps, parce que les démons, écoute-moi bien, les démons, les esprits aiment ce que les hommes aiment. Il y a des hommes qui aiment femme claire, il y a des démons aussi qui aiment femme claire. J'ai envie de pousser. J'ai fermé la parenthèse. Quand tu as affaire à un démon qui vient des eaux, quand tu vas consommer tout ce qui contient de l'eau, écoute-moi bien, tout ce qui contient de l'eau, automatiquement, son mécanisme d'action se met en mouvement. Donc, tu vas boire quoi, ma soeur? Tu vas boire quoi? Donc ce que tu as à faire, que je vais te dire ce matin et qu'on va appliquer. Quand les sorciers parlent, quand les démons sont en mouvement, toi aussi chrétien, il faut exercer l'autorité. Toi aussi il faut parler. Il faut parler pour détruire. Il faut parler pour annuler. Il faut parler pour interdire. Parce que si un démon vient de ta vie pour bloquer ton mariage, et toi tu vois que dans ta vie là, les hommes viennent, mais ça ne va pas quelque part. Tu vois même que tu es marié, mais ton mariage est bizarre. J'ai dit quelque part, comme on presse dans beaucoup de coins, il y a une femme, elle prie bien. Elle est bergère de renouveau. À l'époque, elle est mariée. Une femme, elle ne parle pas, vertueuse. Et voici que il y a un démon qui a commencé. Elle s'est mariée, non? Le démon a commencé à menacer son foyer, perturber son foyer. Comme son mari ne va pas à l'église, lui il dit que
On peut prier Dieu à la maison. Donc quand il dort là, le démon le menace. Le démon le menace. Le démon dit, il faut quitter ma femme. Oh, il est marié. Donc il ne comprend pas. Que tu as pris ma femme. Le monsieur ne comprend pas. Aïe. D'accord. Le démon dit, c'est ma femme. Donc le monsieur lui se lève. Parce que pour lui, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc il se lève, il va trouver sa femme. Mais toi-même, tu me trompes avec qui même? Pourquoi tu me trompes? La femme, j'ai fait quoi? J'ai trompé comment? Il dit, tu me trompes? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le monsieur dit rien. Il dit, moi, Dieu me parle aussi. Hein. Il dit à sa femme que moi, Dieu me parle aussi. Parce que lui, c'est dans ses rêves là. Quand il dormait là, dans son qu'il a fait là, dans le rêve qu'il a fait là, c'est dans le démon qui est parti lui parler. Donc lui, pour lui, c'est Dieu qui lui parle. Donc il s'est endormi encore. Et le démon qui lui dit, quand il va dormir, que je suis un séducteur. Tu as pris ma femme. Imaginez un démon qui est inciteur. Une histoire authentique. Ça se passe chez les Baoulés. Authentique. Je ne vais pas donner les détails. Le démon qui dit, monsieur, je suis inciteur. C'est ma femme qui a laissé. Allah s'est gardé dans le foyer. Le monsieur s'élève maintenant. Oh, le monsieur, il a l'argent. Il appelle sa femme, la fait asseoir. Il appelle les enfants, asseyez-vous. Demandez à votre maman ce que je lui ai fait. Mais tu peux me tromper avec quelqu'un qui est mieux que moi, mais tu n'es pas un inciteur. C'est lui qui dit ça. Hein? Aïe. Chérie, tu parles de quoi? Il dit, ah bon, moi Dieu me parle. Et elle dit, mais inciteur, il n'a pas de nom. Il dit, Dieu connaît son nom. D'accord. Tu m'as dormi encore. C'est quel Dieu qui parle, bon? Quand tu veux l'entendre, tu as dormi d'abord. Amen. Et il s'en va dormir encore. Le démon dit, il est inciteur, il s'appelle Kanga Nzoué. Précis. Le monsieur vient maintenant. Il dit, tu vois, je t'ai dit que Dieu me parle, non? L'inciteur à qui tu me trompes là, il s'appelle Kanga Nzoué. Quand il a dit Kanga Nzoué, la femme a attrapé sa tête. Elle dit, mais chérie, mais Kanga Nzoué là, c'est la rivière qu'on adore côté matin. Côté matin, ils adorent là. C'est la rivière là, c'est nous la rivière. Tu as oublié ça. Non, comment est-ce qu'un démon qui est dans une rivière, dans une eau, il vient et dit qu'un, il est inciteur. Bon, je ne sais pas qui il enseigne dans l'eau là-bas. Et puis vient, dit que menacer quelqu'un qui a marié sa femme légalement, dit que il n'est qu'à quitter. Mon frère, ma soeur, je veux te dire quoi? Il faut te lever toi-même pour exercer l'autorité. Il faut apprendre toi-même à exercer l'autorité. Dans l'exercice de l'autorité, on ne dérange pas Dieu. On parle aux démons, on parle à l'événement, on parle à la situation directement. Les hommes viennent, ils s'en vont. Ma soeur, lève-toi. Et il faut apprendre à interdire cela. Je vais terminer par là et on va faire TP.
quelle autorité? Matthieu chapitre 18, verset 18e dit, dans d'autres versions, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit quoi? Jésus dit, ce que toi tu vas lier. Tu entends? Il dit, ce que tu vas lier. Tu là, ça parle de qui? Ça parle de qui? Il dit, ce que toi tu vas lier sur la terre là, sera lié automatiquement dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a d'autres versions qui disent, ce que tu vas refuser sur la terre là, sera refusé dans les cieux. Ce que tu vas autoriser, ce que tu vas accepter sur la terre dans ta vie, sera accepté dans les cieux. En d'autres termes, c'est quand tu vas te lever pour refuser la situation qui perdure dans ta vie, c'est alors que automatiquement le ciel va se mettre en mouvement pour appliquer cela. Dans certaines versions, il est dit quoi? Ce que tu vas interdire dans ta vie, sur la terre. Si un chrétien, une chrétienne se fâche, et puis tu interdis le célibat sur ta vie, de façon ardente, ce n'est pas vos prières de 2 pour 5 francs. Où tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Ou bien tu pries une semaine, je prie une semaine, je prie. Et puis quand tu ne vois rien, tu es découragé. Il faut prier de façon ardente, violente. Il faut persévérer. Il faut durer dans le temps. Parce que ma soeur, mon frère, à cause de toi, un sorcier peut prier de minuit à minuit. Rien que pour toi. Il peut faire incantation sur ta vie. Il peut évoquer les démons sur ta vie. C'est-à-dire envoyer les démons sur ta vie. Lui, il prie. Il est comme ça, il est plus croit. Au fur et à mesure qu'il prie, il y a une rage. Ah, il y a des filles qui ne pas se marier. Elle ne doit pas se marier. Puis au fur et à mesure, c'est-à-dire. C'est authentique, hein? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça dure, là, la colère monte, ça monte. Puis tu as une rage, puis tu ne dois pas se marier. Elle ne doit pas se marier. Automatiquement, il y a quelque chose qui se crée. Et puis c'est comme une charge qui vient sur ta vie. Et ça vient se poser. Pendant que lui le fait, toi tu es assis dans un maquis, tu attends rendez-vous des garçons. Tu comprends? Toi tu es quelque part, tu es en train de pleurer, ou bien tu attends les poissons braisés pendant qu'on trempe sur ta vie. Je te dis la vérité, ça va t'aider. C'est quand tu vas te lever, tu vas dire, je refuse le célibat sur ma vie. Célibat, je t'interdis dans ma vie maintenant. Aujourd'hui, tu m'as entendu. Ma tête te lève encore. Célibat, je t'interdis. Et puis, quand tu le fais là, il faut que ta pensée, ton cœur et ton langage soient conformes. Quand tu parles, dans ta pensée, il faut être sûr que le célibat est en train de quitter. Il faut être sûr que le chômage est en train de quitter. Si c'est une situation qui t'a été imposée, un blocage qui est causé par un démon, Dieu compte sur toi pour gérer cela ce matin et le reste de ta vie. Mais comment tu vas le gérer? C'est en interdisant. Quand tu as interdit le célibat, il dit quoi? Ce que tu vas autoriser sera autorisé aux yeux de Dieu. Tu vas autoriser quoi après? Le mariage, sois précis, le mariage. Ton foyer est menacé. Aller sur ton foyer. C'est un mystère. Le mariage pour nous les catholiques, c'est un sacrement. C'est-à-dire Dieu est dedans. Tu peux prier au nom du sacrement. Comme on peut prier au nom du sacrement du baptême. Beaucoup savent. Je peux pousser et puis on va prier. Il faut exercer l'autorité. C'est vrai. Le berger va te recevoir. Mais il faut avoir pitié de lui aussi. Même là, ça est dans ta main. Jésus dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir. Il faut exercer ça. Quand c'est une maladie, quand c'est causé par un démon,
C'est une seule chose. C'est interdire la maladie. Quand c'est une promotion qui t'aide à venir, quand c'est une main occulte qui est dessus, oh ma soeur, mon frère, quand tu vas commencer à interdire et tu vas croire en cela, tu vas expérimenter des choses pas possibles dans ta vie. Dieu dit, je briserai le joug. C'est déjà fait. Il dit, je vais détruire les liens. Il va rompre les liens de ta vie. Pour que tes projets réussissent. On va faire ça tout à l'heure. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Madame, c'est votre fille. C'est la fille. Toi, tu vois ta main là. C'est votre fille, non? Écoutez bien. Qui est venu avec son fils aussi? Non, garçon. Elle est son enfant. Non, garçon. Ça dit un garçon qui est venu avec son enfant. Oui. Il est où? Il est où? Écoutez bien, je vais terminer par là. Ça là, vous avez payé quoi? Rien. Mais ça là, c'est avant-goût. Regarde. Écoutez bien, je suis devant elle. Mais regarde, c'est ta fille, non? Tu l'as couché où? Tu l'as porté où? Parle bien. Dans ton ventre, non? Écoute-moi bien. Ça dit que tu l'as porté dans ton ventre. C'est ta fille. Tu es là, là. C'est là. Les matins, les soirs, tu peux interdire des choses sur sa vie. Est-ce que tu me comprends? Parce que tu l'as porté dans ton ventre, à cause du cordon ombilical, tu peux interdire aux sorciers d'agir sur elle. Tu peux interdire aux démons d'agir sur elle. Es-tu un papa? L'enfant là, c'est ton sang. Garçon là, c'est ton sang. Ton sang, tu peux interdire aussi. Tu peux interdire. Et puis quand ta fille, elle est avec toi, là c'est encore bien même. Parce que matin tu l'as béni. Quand elle sort, tu l'as béni. Elle s'en va chez le travail, tu l'as béni. Elle s'en va composer, tu l'as béni. Mais oulala, BG, ce que nous on voit ici en Afrique, au lieu de bénir, on maudit. Imagine-toi une mère qui maudit ta fille. Mais elle est foutue dans le film. Beaucoup maudissent leurs enfants, mais ils ne savent pas. Toi, moi, je te parle là. Tu m'écoutes pas, non? Tu vas voir. Et quand tu dis tu vas voir là, ton cœur a muté quelque chose. Quand le cœur est en colère, que tu profères là, le démon lui prend ça en même temps. Parce qu'il y a une cause. C'est légitime. Tu comprends? Tu parles au village là, je termine et puis on va prier. Ils vont pas, ils sont pas chrétiens. Mais soit le papa là. C'est des mystères, c'est des lois spirituelles, beaucoup savent pas. Il y a un jeune qui vient d'avoir son visa pour un pays là. Dès qu'il a eu son visa, il a payé transport. Il est parti au village, il n'est pas chrétien. Vous savez pas ce que je veux dire. Il est parti au village et il est parti voir son papa, sa maman, et puis il a demandé quoi? Leur bénédiction. Au village, par exemple, deux fois le papa il appelle l'enfant et puis il parle sur lui, il n'est pas chrétien parce qu'il connaît la loi. L'enfant dorme le matin, parle sur leur vie. Le soir, parle sur leur vie. C'est la catégorie d'autorité. Des domaines d'autorité. C'est-à-dire que la maman, tu peux parler. Le papa, tu peux parler. Chrétien, au nom de ce que tu as reçu, tu vas parler. Qui est d'accord avec ça? J'ai dit ça à la retraite. On va prier. Commencez mon chant là, en ce moment. Je ne prie pas pour quelqu'un.
va faire TP. Ce n'est pas ici seulement. Il y a un papa. Qu'est-ce que c'est que tu es à la retraite? Qu'est-ce que c'est que tu es à la retraite? Le cœur est là, non? Moi, c'est le chant. Doucement, doucement. La mélodie seulement d'abord. Qu'est-ce que c'est que tu es à la retraite? Tu vois, berger, ça dit que. Ceux qui sont à la retraite là, eux ils sont allés fêter. Ça dit, ils n'ont plus le week-end là. Ils sont allés fêter. Il y a des lois qu'on va vous dire après. Hosanna. Hosanna. Ça dit, on s'attendait à ce que ce soit les retraités qui sont ici beaucoup. Hein. Or, eux-mêmes ils ne sont plus concernés. Ça dit, pour eux, ils ont jeûné, pris à la retraite. Ils sont partis maintenant, ça dit, manger. Oh, on dit qu'il faut venir ici pour affirmer ce que tu as reçu. Il est même là. Ils vont revenir encore embrouiller berger. Moi, c'est mon frère, je le connais. Quand tu pries là, pour te recevoir là, il faut bien prier. Il faut que tu le trouves vraiment. Il est content. Mais il est disposé quoi. Mais si tu es trompé, il y a une soeur, je crois, bien un monsieur, qui appelle pour faire écoute. Et plus, il oblige berger. Il oblige berger de, que berger doit le recevoir parce qu'il doit prier pour lui faire ça. Ah, ce jour-là, homme de Dieu, il a pris, il a baptisé. Elle a fini, il a confirmé. Il a dit seulement mariage, puis c'est tout. Souvent, c'est important. On doit être dur avec vous. Parce que, on doit t'apprendre toi-même là. À gérer le dossier. On doit te dire ça. Ce que Dieu te dit là, dans des coins, on paye. Dans des coins, on va dire non, il y a secret dans le fait de Dieu. Il faut payer d'abord 50 000 francs et puis on te dit, mais là, au-delà, tu as ça cadeau. Pour toi, ça ne ressemble à rien, mais je t'en supplie, je suis encore là. Il faut commencer à exercer quoi la prière ardente. Avec, pour prier avec l'autorité de façon ardente. Prendre la situation là. Et puis il faut interdire. Parle à la situation. Comment on va parler? Le monsieur, son enfant a perdu connaissance dans un village. Et il soulève l'enfant. Il envoie l'enfant chez le curé de la paroisse. Le curé n'a pas le temps. Parce que le curé était fatigué. C'est normal, c'est normal. Donc le curé a prié un peu. Puis il dit bon. Et lui, il s'en d'abord faire autre chose, quelque chose. Et puis il va revenir. Le papa là, il n'est pas berger. Le papa là, il n'est pas modérateur. C'est un simple chrétien comme toi. Il a pris sa fille dans ses mains. Et puis il a parlé. Il dit, quitte ma fille. Libère ma fille. Et il a déposé sa fille. La fille a commencé à respirer. Parce qu'il s'est rappelé que c'est sa fille. Il s'est rappelé qu'il est chrétien. Il a l'autorité. Tu es d'accord avec ça? C'est quel jour qui pèse sur ta vie? Pour voir. C'est quel jour qu'il faut voir et puis tu vas t'élever. Ton enfant n'est pas là. S'il est en France, il faut le voir qu'il est là et puis tu parles. Son femme, les deux, ils sont là. Ils vivent avec vous. Apprenez à parler sur. Apprenez à parler sur leur vie. J'ai pas dit de prier. Priez là. Combien Seigneur, je te supplie. Non. La prière du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur l'autorité, que tu parles, pas. Le garçon s'appelle comment? Comment? Il s'appelle Emmanuel. Quand maman se lève le matin, même Emmanuel est couché. Elle voit Emmanuel, elle peut partir dans la chambre d'Emmanuel pendant qu'il dort là. Et puis elle peut parler sur sa vie. C'est pas fétiche.
total sur sa vie. Emmanuel, c'est moi qui t'ai porté dans mes entrailles, c'est moi qui suis ta mère. Aucun sorcier ne peut te manger, aucun sorcier ne peut bloquer quoi que ce soit dans ta vie. Je commande cela. Je te programme, Emmanuel, à vivre longtemps. Je te programme, Emmanuel, à réussir. Je te programme, Emmanuel, tu le programmes. Pareil pour la vie. Pareil pour tout ce qui est ici. Tu es chrétienne. Ton foyer là, ça tourne. Ton mari là, lui n'est pas trop chrétien. C'est toi qui prie dans la langue de feu. C'est toi qui prie dans Tsunamite. C'est toi qui prie dans où encore? Dans Amour et Vie. Dans quoi encore? Lui, il ne connaît pas tout ça. Lui, ce qu'il sait, lui, il est Django. Faut pas les forces ennemies vont faire seulement pour tirer, pour sortir le pistolet. Lui, tire en même temps. Quand c'est comme ça là, écoutez-moi bien. C'est pas fétiche. Je n'ai pas dit. On va prier. On va prier. Je ne dis pas. Je ne pousse pas. On va prier. Je ne pousse pas. Je ne pousse pas. Parce qu'on le dit dans un cadre. Il y a mon plan là pour fétiche. C'est quel jour que suit ta vie? Regarde, ils sont découragés là. Mais j'ai dit, n'est pas dit, c'est pas la peine, on va prier. Mais j'ai dit, on va prier, il est l'heure. Moi, je suis venu pour balayer le terrain, pour nettoyer. Regardez ce qui vient derrière. Écoutez-moi bien. Es-tu marié légalement à l'église? Comme ton mariage à l'église, c'est un sacrement. Est-ce que tu sais ça? Ça fait partie de combien de sacrements? Il y a combien de sacrements? Merci. Ça fait partie des 7 sacrements. Or, on dit que le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible porteuse de grâce. De la même façon qu'un chrétien peut prier au nom de son baptême, de cette même manière, tu peux prier au nom de ton sacrement de mariage. Parce que le mariage, Dieu dit, vous formez un. Donc, regardez, ils sont concentrés comme ça. Donc, quand tu pries, par exemple, au nom du sacrement de mariage, tu peux ordonner que ta moitié, là, qui en est baladé là, tu peux ordonner qu'il revienne à la maison. Dans le nom de Jésus. Et comme devant Dieu, devant les hommes, c'est vrai là, c'est ta moitié vraiment, automatiquement, quand tu le fais avec ardeur, au lieu de te plaindre là, tu le fais avec ardeur. Qu'est-ce qui est bloqué sur ta vie? Qu'est-ce qui est joug? Dieu dit que il brûle le joug et il va faire quoi? Réussir tes projets. C'est qu'un projet qui est bloqué. C'est qu'un projet qui n'avance pas. Est-ce un projet de voyage? Est-ce un projet de mariage? Est-ce un projet d'enfantement? Est-ce un projet de construction? Il faut voir déjà. Et quand tu as vu, tiens-toi debout simplement. Choisis un seul projet. Il y a des gens, eux, ils veulent tout. Ils veulent travailler, se marier, avoir un enfant. Qu'est-ce qui est priorité pour toi? C'est ça pour choisir. Puis lève-toi. En 5 minutes. Mon temps est fini, non? Regarde, c'est pas du jeu. Ce que je te dis là, ce que tu entends, c'est pas du jeu. Il y a des dossiers là. Quand tu commences à dire Seigneur, je te prie là, il dort. Il t'écoute même pas.
C'est la vérité. Il faut gérer. Quand c'est un démon qui est à la base, là, il faut parler sur les événements. Jésus a menacé la tempête. Mais est-ce que la tempête à Yahoureï? La tempête à c'est l'homme. Mais on dit il a menacé cette tempête. On dit il a parlé. Il y a les vents contraires, il faut parler. On dit il a maudit figuier. Toi tu ne parles pas. Il faut interdire. Ce que Dieu met à mon cœur, c'est ce qu'on appelle des paroles prophétiques, des gestes prophétiques. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, puis j'ai dit, aïe, 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 c'est parce que j'ai été visé en même temps. Je vous dis que c'est vrai. Il y a des mamans qui sont ici. Je dis bien, mamans qui sont ici. Vos enfants là, c'est bizarre dans leur vie parce que vous avez parlé sur leur vie de façon négative. Maman qui sont, rappelle-toi bien. Peut-être que Emmanuel t'a énervé une fois. Et puis dans la colère, tu as dit quelque chose. Peut-être que ta fille t'a énervé une fois. Et puis dans la colère, tu as dit quelque chose. Or, quand tu prononces une parole sur la vie de ton enfant, tu es maman, l'enfant que tes entrailles ont porté, c'est fini. Il y a une soeur à Koumansi, on est dans la prière. C'est comme ça c'est que Dieu veut que je fasse. Il y a une soeur à Koumansi. J'étais allé pour un séminaire sur la sorcellerie. Et pendant que j'ai prêché, j'ai demandé à Dieu maintenant d'agir. Ça dépend de Dieu, pas de moi. Et pendant que j'ai demandé à Dieu d'agir. Dieu met à mon esprit une sœur et il a décrit sa direction, son prénom. Dieu peut le faire. Rien ne pourra pas dire. Dieu me met dans une direction, une sœur. Une sœur, il a dit d'où elle vient de Bondoukou. Il a dit son prénom. Il a dit ce qu'elle avait porté. La sœur est sortie, c'était pareil. La gloire à Dieu, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Et dès que la sœur avançait, vous voyez, je n'avais pas prévu faire ça. Mais je vais écouter l'esprit, on va prier fortement. Quand elle avançait, j'ai vu automatiquement sur sa tête l'image de sa maman. Et puis c'est écrit maman. Mais comme j'ai au moins une petite expérience dans le ministère, comme j'ai vu sa maman, j'ai pas dit waouh, ta main est sorcière. Non. Souvent on peut prier pour toi, ma soeur. Et puis tu peux montrer par exemple ton papa. C'est pas dit, ça veut pas forcément dire qu'il est sorcier. Ça peut vouloir dire par exemple que tu dois te réconcilier avec ton papa parce que peut-être que tu as fait quelque chose, il est fâché contre toi. Donc, les blocages que tu vis là, c'est parce qu'il est fâché. Donc, on monte. Ça, c'est notre plan. Donc, la sœur, elle est contente comme ça. Donc, je vois la maman de la sœur. Puis, il dit maman. Puis, maintenant, j'écoute. Il me dit voilà. Et puis, Dieu donne dans les détails. Waouh, moi, j'aime ce Dieu-là. Quand il veut être précis, il est précis. Il donne dans les détails. Je me suis. Dans les détails. Il veut faire du bien, même ce matin-là, présentement, à une sœur qui a 24 ans. Lève la main simplement. 24. Tu es où? Lève la main simplement. Avant que je ne continue. Voilà. Tu as 24 ans. Tu vois? Vous voyez? Attends-moi. Hein. Tu vois? Il donne les détails dans la précision. Tu vois? Et il me dit que cette sœur-là, elle a insulté sa maman. Et puis je donne les détails, c'est comme si moi j'étais présent. Mais l'esprit qui est en moi était présent. Cette soeur a dit à sa maman n'est pas mariée. Sa maman veut se marier. Donc elle croise un homme.
Elle pense qu'elle a croisé le bon. Elle envoie à la maison, elle le présente. Du jour au lendemain, le monsieur disparaît. Et donc, la soeur en question, ils sont dans un quartier, dans une cité. Elle est gênée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève la voix sur sa main pour dire, maman, tu es âgée. Dans une cité, c'est toi seulement, tu mets la honte sur nous. Imaginez ton enfant te dit que tu mets la honte sur lui. En d'autres termes, elle a dit quoi à sa maman? Que sa maman est quoi? Une prostituée. Sans le dire. Et quand elle le dit, sa maman qui lui dit, t'as une colère, ma fille. Tu sais ce que je vis. Tu sais ce que j'endure sur mes couches la nuit. Et tu oses me dire ça. Si c'est moi qui t'ai mis au monde, si c'est moi qui t'ai mis au monde, si c'est vraiment moi qui t'ai mis au monde, ma fille, tu vas savoir ce que je vis. Si c'est pas moi qui t'ai mis au monde, ma fille, alors tu vas voir que tout va rouler sur terre. La maman vient de dire ça. Elle a oublié. Les années sont passées. Tout est bloqué dans la vie de sa fille. Je parle de quelque chose d'authentique. Sa fille, garçon, vient. C'est la même chose là. Travail, même chose. Mais quand le Seigneur parle, ce n'est pas pour bavarder. Quand Dieu a dit ça sur la vie de cette sœur, pendant que je parlais en même temps, comme pendant que je parle, je vois la même image. Ça sera, c'est pareil pour plusieurs personnes. Pendant que je parlais sur la vie de cette sœur en même temps de la part de Dieu, j'ai vu comme un caniveau où l'eau était bloquée parce qu'il y avait quelque chose qui barrait. J'ai vu que la barrière, frère, a été enlevée et puis l'eau est partie. Et puis j'ai dit, quand tu vas trouver ta maman pour demander pardon pour ce que tu as dit, j'ai quand même posé la question à la soeur, elle a confirmé vraiment. Et puis elle me dit, mais il y a longtemps, la maman ne sait même pas que c'est ce qu'elle a dit là, qui agit sur sa fille. Or le démon, lui, il est juriste. Le démon, lui, il a pris les choses à la lettre. Toi, tu as oublié, lui, n'oublie jamais. Le démon, il est rancunier. Lui, n'oublie jamais. Je lui ai dit simplement, on va prier pour toi. Mais comme c'est une parole de malédiction qui a été prononcée sur ta vie, qui a provoqué un joug sur ta vie, pour que ce joug-là puisse être ôté de façon manifeste, on peut prier pour toi. Dieu a parlé. Mais maintenant, toi, maintenant, fais le mouvement de réconciliation vers ta maman. La fille, elle est tombée, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, tu peux pleurer. Ça, c'est acte 1. Mais acte 2, là, va trouver ta maman. Elle est partie trouver sa maman. Elle a fait ce qu'il avait à faire. J'ai dit, il ne faut pas aller dire que non, on était là en prière. Et puis, on a fait révélation. Vous aimez trop ça. Va trouver ta maman, dis, maman, voici, je t'ai dit ça, bénis-moi, c'est fini. Quand sa maman a fait là, j'ai oublié. Un jour, elle passait, avait un bouteille, puis je passais en zone 4 là-bas. C'est-à-dire, rentre dans le quartier, je fais comme ça, je la vois la soeur, elle a un équipement de travail. Puis elle marchait. Quand elle a garé, elle dit, hé papa, je te cherche depuis longtemps. Quand c'est dur là, là, t'as mon numéro 1. Mais quand ça a marché là, là on te cherche. Ben j'ai au courant. Ça dit, quand on prie que ça va, là on te cherche. Hein. Elle dit, papa, je travaille maintenant. Et puis, à tes mains là, je croyais que quelqu'un, c'est en bonne voie. Tu me comprends? Il y a un monsieur, il était malade bizarre. Il va partout. La maladie qui tombe pour lui. Parce que quand ta maman t'a maudit, c'est des maladies bizarres qui vont venir dans ta vie. Mais ça ne peut pas guérir. Quand c'est légal. Et le monsieur, il vient à la prière. La même chose. Papa, je dis, le monsieur vient. Je dis, monsieur, il dit oui. Il faut chercher ta maman. Il faut faire tout pour te réconcilier avec elle. À la fin, il m'appelle, celui-là, ah, je l'ai baptisé. Hein. Il vient me voir à la fin, berger. Mais de payer quoi pour lui offrir? Il dit, mon frère, si tu veux là, il faut offrir bateau.
travail, c'est parce que tu as ouvert. Mais va la trouver. Le monsieur a fait la même chose. Et comme d'habitude, j'ai passé encore un jour, j'étais entrepreneur. Je passais, chercher mes anges dans un quartier. Et puis j'arrive sur devant un immeuble là. Et puis je vois le monsieur qui sort. Il dit, hé, berger, il est surpris. Ça dit que, il dit, mais ben, c'est moi qui suis l'entrepreneur ici. Antoine était maigre, mais il a grossi comme ça. Il dit, bon, souvent il a envie de venir à la prière, mais les travaux font tellement que. J'ai dit, mon frère, amen. Les mamans ici, posez un acte prophétique. On va commencer par vous. Les papas aussi, prophétique. Maman, voyez vos enfants. Maman, je dis voyez vos enfants maintenant. Faut voir. Il y a un qui te neuf chaque fois là. Non, lui-même, non, c'est pas la peine. Il y a une là, regarde, tu vois, elle dit ici, tu vois. Et souvent, tu ne le veux pas. Mais des paroles sortent. Voyez déjà. S'ils sont là, tournez vers eux. Si ton enfant est ici, tes maman que ton enfant est ici là, tourne-toi vers elle. Pas pleurer à ma fille. C'est prophétique, c'est comme ça. Rien, on est tourné vers. Va t'en vers ta fille. Ma... Rien, elle sourit. J'ai dit, tes enfants sont là. Ils sont deux, non? Mets-les devant toi. Ils sont là, non? Mets-toi ici, madame. Voilà, mets-les devant toi. Mets ta main ici. Une main sur le cou. Faites ça. Ceux qui ont leurs enfants ici, s'ils sont deux, mettez la main sur eux. Ceux qui n'ont pas les enfants ici, il faut les voir. Vous voyez que Emmanuel est ici. La fille s'appelle comment? Claire Myriam. Vous voyez qu'elle est là. Waouh. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Elle a quel âge? 17 ans. Waouh. Retenez ceci. Hein. Claire Myriam. Dans la salle de pape. Père Myriam, retenez bien ceci. Elle va travailler très jeune. Elle va se marier très jeune. Oh, la pauvre. Claire Myriam, là, c'est pas ce que vous voyez sur elle. Là. C'est pas. Moi, je la connais pas, mais je la connais. C'est pas son comportement bizarre. Ça dit qu'elle a l'impression de quelqu'un qui n'a pas quelque chose dans la tête. Vrai ou faux? Mais le Seigneur l'a déjà localisé depuis votre ventre. Claire Myriam, elle va travailler très jeune, retenez cela. Elle va se marier très jeune. Donc, c'est la prophétie qui a été libérée. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire quoi? L'entretenir. C'est-à-dire que parler sur sa vie chaque fois par rapport à ce que vous avez entendu. De la part. Voyez-la comme Dieu la voit. Elle aime beaucoup raisonner, Claire Myriam. Ça m'a dit, oui. Maman, on est prêt? Vois ton enfant. Vois Claire Myriam. Et puis tu fais comme dans la foi, dans... Vous voyez, ça concerne tout le monde. Berger, je voudrais que... Comme tu as l'expérience, ça dit quand Dieu dit qu'un enfant est destiné à lui, ça dit à lui être consacré. Et je cherche. Ouais, lui à lui être consacré. D'accord. Je vais taper. En fait, le Seigneur veut faire du bien à ce frère, ton collaborateur. Il dit le dernier enfant. Le dernier enfant. Je ne sais pas si, avant la naissance de l'enfant, je ne sais pas. Si peut-être que vous avez eu des paroles, des promesses à Dieu, maintenant peut-être que l'enfant est né maintenant, vous n'exécutez pas. Dieu veut sa chose. Le dernier enfant. Bon, ça dit,
Mais il m'a dit le dernier enfant. Il n'y a pas de problème, ça dit que le dernier enfant. Je ne sais pas, sa naissance a été comment? C'est dans quelles circonstances? Et souvent, quand la situation est bizarre, souvent dans les prières, on dit des choses. On fait des promesses. Et puis après, on oublie. L'enfant a quel âge? 5 ans. Il faut constater, tu vas voir, quand va commencer, quand va au fur et à mesure là, elle sera très attentive aux choses de Dieu. Surtout la Vierge Marie. Quand va voir tout ce qui est sanctuaire, c'est-à-dire que image de Vierge Marie, tout ça là, l'enfant va commencer à réagir. Puis elle sera vraiment portée vers les choses de Dieu. C'est fait. Il reste 10 minutes. Tu as vu? Quand je compte à 3, faut annuler toute parole de malédiction que tu as prononcée sur la vie de ton enfant. Tu peux dire son nom, si tu te rappelles bien. Qui voit? Vois, pose la main comme s'il était devant toi. Fais comme ça, comme ça, des moments-là. Mets la main comme si tu la mettais sur l'épaule. Et tu vois. Quand je compte à 3, tu dis j'annule. Tu dis son nom. Tu dis, par exemple, s'il s'appelle, comme c'est pour elle, je connais. L'enfant s'appelle comment? Jean Malik. Donc tu dis Jean Malik. J'annule toute parole de malédiction que j'ai proférée sur ma bouche à ton endroit au nom de Jésus. J'annule cela. 1, 2 et 3. Annule. C'est pareil pour ceux qui ont un enfant. Parce que dans la colère, tu peux dire des choses. Suis ta fille. Annule. Les enfants qui sont là, qui ne sont pas là, prends cas par cas. Marababa. Annule, dis j'annule. Dis le nom de l'enfant et dis j'annule toute parole de maldiction, toute condamnation que ma bouche a prononcée sur ta vie. De façon volontaire ou de façon involontaire, de façon consciente ou de façon inconsciente, j'annule cela au nom de Jésus. C'est pour toi maintenant. Faut voir ce qui est obstacle. Faut voir ce qui est obstacle. Ma soeur, en rose là. Je vais en mettre de l'autre. Ça va s'allonger. Comme c'est quelque chose de tout, je parle en coude. C'est-à-dire ce qui te trouble actuellement là. Comme c'est. On est ici, on ne sait pas qui connaît qui. Mets la main sur la tête. Maintenant, il faut voir, il faut être précis. Voir, ça dit qu'un jour ou bien un obstacle qui perdure. Soit peut-être c'est un projet que tu commences chaque fois et ça n'aboutit pas, par exemple. Soit c'est un projet de voyage, mais un projet de réalisation ou bien entrepreneuriat. Les dévoreurs viennent à chaque fois voir cela. Mais une seule chose. Vois une seule chose. Bartimée était aveugle. Et Bartimée était mendiant. Quand Dieu a demandé à Bartimée, Bartimée, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il dit, fais que je vois. Il a fait le choix. Parce que c'est qu'en voyant, le reste, ça va suivre. Vois. Quand je compte à 3, tu vas interdire le blocage là. Tu vas interdire. Tu vas refuser ce joug là sur ta vie. Tu vas dire je refuse. Soyez vigilants. Parce que des gens vont commencer à avoir mal à la tête. Les gens risquent de se crouler seuls à leur place. 1, 2, 3, interdit, ouvre la bouche. Si c'est là.
la maladie. Interdis la maladie sur ta vie. Refuse cette maladie. Maladie provoquée. Parce qu'il y a des maladies qui sont provoquées. Refuse la maladie qui est provoquée sur ta vie. Il y a des blocages, il y a des échecs. Il y a des célibats qui sont programmés, qui sont provoqués. Il y a des stérilités qui sont provoquées. Il y a des chômages qui sont provoqués. Refuse cela. Une seule intention, une seule chose, refuse. Et pendant que tu refuses, faut croire dans ta pensée. Et crois avec ton cœur. Refuse au nom de Jésus. Refuse. Maman. Refuse. Refuse la maladie. Maladie provoquée, je te refuse dans mon corps. Refuse la maladie de sang. Parle. Tu libères mon corps, maladie. Échec répété, chômage, célibat. Le démon, pendant que tu le parles et tu le crois, le démon va aller, il va bien, il va partir. Est-ce que c'est un chômage chronique? Tu dis démon, qui est derrière le chômage, tu libères, tu quittes au nom de Jésus. Au démon, quelque chose en a-tu, même si c'est un mari de nuit, c'est quoi? On n'a pas le temps. Parle au démon. Est-il un démon? Ordonne-lui. Est-ce que c'est un démon qui a été évoqué sur ta vie qui fait que la promotion en bloc? Parle. 1, 2, 3, parle. Ordonne au démon. Est-ce que la maladie que tu est-ce que ça provoque pas un démon? Demande au démon de lâcher prise. Ordonne. Tu lâches. Tu quittes mon corps. Que tu rends malade. Tu libères mon travail. Tu libères mes dossiers. Tu libères mon CV. Tu libères mon projet de voyage. Mes finances, tu libères mes entrailles au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va maintenant, aïe. Ça, il faut conduire ça à la maison. Faut te fâcher à la maison sur les démons. Les gens ont commencé à se sentir bizarre, c'est comme ça, c'est ta délivrance. Maintenant, tu vas autoriser maintenant. C'est-à-dire, tu vas autoriser le contraire de ce que tu as interdit. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas maintenant autoriser dans ta vie le contraire de ce que tu as interdit. Tu vas maintenant accepter dans ta vie le contraire de ce que tu as refusé. Si c'est une maladie imposée que tu as chassée, que tu as interdit, il faut accueillir quoi? La santé, la guérison de ton corps. Tu ordonnes maintenant à la guérison de venir s'installer. Ordonne maintenant au contraire de s'installer. On se comprend? 1. Vas-y. Rama manche kebobo rabasi kala ya baba. Robobo shabala ya mama. Rababa seke maya baba. Rababa seke borobo lobo sataka la mama. Borobo shakala ya baba. Robobo seke maya mama si bala ya baba. Karababa shekere bo. Korobobo sheke balabalaba. Robobobobo. Autorise, ordonne, appelle dans ta vie.
nom de Jésus. On prend mon chant là, puis on termine par ça. Maintenant, écoute-moi bien maintenant. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. La main sur la tête. Il faut voir. Nahum chapitre 1 verset 13. On va répéter cela. On va prier sur cette base. Quand tu vas le dire, tu vas répéter. Répète après moi. Père, tu as dit que tu briseras maintenant le joug du dessus de moi. Tu as dit que tu vas rompre les liens qui me maintiennent en captivité. Père, je te dis merci parce que ta parole s'accomplit maintenant pour moi au nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que le joug qui pesait sur moi est rompu, est brisé. Aujourd'hui même, à l'instant même, parce que tu l'as dit. Père, je te dis merci parce que tous les liens, toutes les chaînes, toutes les prisons de ma vie, tu les as rompus aujourd'hui même, à l'instant même, parce que tu l'as dit. Maintenant, on termine par ça. Ouvre la bouche maintenant et commence à proclamer. Ça dit proclamer, il faut dire haut et fort que mon joug est quitté. Le célibat est quitté. Je me suis un peu fort proclamé. Ce qui est le joug là, dis haut et fort, ouvre la bouche que c'est quitté. Ouvre la bouche. 1 et 2, 3, proclame. Je suis délivré. Le joug sur ma vie est rompu. Les liens de ma vie sont rompus. Le joug sur ma vie est brisé. Je suis délivré. Je suis restauré. Je suis guéri. La maladie a disparu. Je suis délivré. Mes entrailles sont délivrées. Ma promotion est libérée. Mes finances sont libérées. Proclame cela au nom de Jésus. Mes projets aboutissent. Mes projets se réalisent. Mes projets réussissent. Au nom de Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Et tu vas acclamer fortement le roi des rois. Tu vas acclamer fortement le Seigneur des Seigneurs. Tu vas acclamer fortement la majesté des majestés. Amen. Il faut t'asseoir. J'ai une recommandation rapide. Prends ton bic, ta feuille. J'ai donné exercice à faire à partir d'aujourd'hui là. Jusqu'à... Il faut prendre Matthieu, chapitre 18, verset 18. C'est ce que tu vas faire, on a lu ça tout à l'heure. À la maison, tu me suis un peu, tu peux prendre ta Bible, attraper comme ça, la page là. Tu peux prendre ton portable, la Bible, et puis tu attrapes, tu lis. Matthieu chapitre 18, verset 18, selon ta version.
Jésus dit, ce que tu vas lier sur la terre, il va lier dans les cieux. Ce que tu vas délier, il va délier. Ce que tu vas refuser, il va refuser. Ce que tu vas accepter, il va accepter. Donc quand tu lis, quand tu as fini de lire, maintenant qu'est-ce que tu fais? Père, Seigneur Jésus, tu as dit que ce que je vais interdire dans ma vie sur la terre là, sera interdit aux cieux. Ce que je vais autoriser, autoriser. M'appuyant sur ta parole de vérité, tu commences à interdire maintenant. J'interdis ça. Ça dans ma vie. J'interdis ça dans la vie de mes enfants. Tu interdis. Quand tu finis, Père, merci parce que tu as dit que ce que je vais autoriser, je vais accepter. Tu vas accepter. J'autorise ça dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de ma famille. J'autorise. C'est un exercice que tu vas faire. Que tu veux, tu peux choisir un temps bien précis. Tu peux choisir une heure bien précise. Tu peux le faire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Faites-le s'il vous plaît. Il faut apprendre à exercer l'autorité. Exercer, interdisez. Et puis accepter. Au nom de Jésus.